Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai problème d'atelier. On va parler d'aspiration. Parce que oui, quand on commence, on a tendance à se dire les outils, c'est vachement important et ça va nous permettre de faire des belles découpes, des beaux usinages. Mais en fait, l'aspiration, c'est ce qu'on utilise le plus dans l'atelier et c'est important d'avoir un système qui tient le coup. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aspirateur d'atelier. Je vais vous dire tous ses défauts et on va essayer d'en corriger quelques-uns ensemble. Oui, parce que des défauts, il en a et un sacré paquet. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne, tu ne vas pas le regretter. Quand on parle d'aspiration, il va y avoir deux grands types, les aspirateurs qui vont nous permettre d'aspirer tout ce qui va être électroportatif, comme celui qui est en dessous de moi. Ça va être notamment des aspirateurs qui vont avoir une bonne dépression, mais un débit relativement faible. Donc c'est pas vraiment adapté par exemple si on veut raboter ou dégauchir du bois puisqu'on va avoir beaucoup de copeaux à évacuer dans ces opérations. Quand on a beaucoup de copeaux à évacuer, ce qui va être intéressant, c'est plutôt d'avoir un gros débit. Et c'est pour ça que ce genre d'aspirateur existe. Avec cela, donc c'est des aspirateurs à copeaux d'atelier, on va pouvoir avoir un gros débit et donc récupérer tous les copeaux qui sont produits notamment par la raboteuse dégauchisseuse mais aussi par l'acier et la toupie par exemple. Le principe il est extrêmement simple, on a ici une turbine qui va nous permettre de mettre en pression les copeaux et de les envoyer dans le sac. Et c'est là que le premier défaut apparaît. La problématique c'est que jusqu'à ce niveau-là, on est en dépression, c'est-à-dire que eh bien, les copeaux sont aspirés. Mais à partir d'ici, eh bien, toute la poussière qui est à l'intérieur va être surpressurisée pour être envoyée à l'intérieur de cette zone. Alors quand l'aspirateur est neuf et qu'il est parfaitement étanche, il n'y a aucun souci. Mais avec le temps, eh bien, on a des petits orifices qui commencent à se dessiner ici et là. On a des joints qui sont un petit peu moins étanches. Et ça fait que là, eh bien, on a des jets de poussière qui sortent quand on a l'aspirateur qui tourne. Le mien, il a quelques années. Et ce qui s'est passé, c'est que j'aspire aussi les poussières qui sont au sol. Et il arrive qu'il y ait des vis ou des petits clous ou des éléments qui traînent. Et quand ça passe à l'intérieur de ce tuyau, eh bien, ça a la fâcheuse tendance à perforer le tuyau et à faire des trous. Une fois que les copeaux sont à l'intérieur, ils vont être ici propulsés sur l'extérieur d'une espèce de cyclone qui n'en est pas complètement un, mais en tout cas qui va permettre de faire tomber une partie des poussières et le reste de l'air sera projeté sur la partie supérieure. D'origine, il y a une espèce de chaussette qui ne filtre pas grand-chose et qui permet juste de retenir les copeaux, mais toutes les micro-poussières qui sont extrêmement toxiques pour vous vont se retrouver en suspension dans votre atelier. Donc là, il y a deux écoles, soit vous mettez votre aspirateur à l'extérieur, sauf que comme c'est un aspirateur qui a un très fort débit, eh bien, il va mettre en dépression l'atelier dans lequel vous êtes. Et donc, du coup, ben, si vous avez chauffé l'atelier, eh bien, on va avoir de l'air frais qui va rentrer par tous les orifices. Ou à l'inverse, ben, s'il fait bon dans votre atelier et qu'il fait super chaud dehors, eh bien, de la même manière, tout l'air chaud va rentrer dans l'atelier si vous mettez l'aspirateur dehors. Donc, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Deuxième solution possible, ça va être de l'emmurer à l'intérieur d'un caisson et de mettre un système de filtration qui permettra de faire sortir de l'air sain, entre guillemets, de la zone où l'aspirateur est emmuré ou simplement de le mettre dans une autre pièce. C'est clairement une solution que j'ai en train de réfléchir, mais en attendant, puisque je n'ai pas encore d'emmurage pour mon aspirateur, on va essayer de le rendre un petit peu plus étanche. Donc bienvenue sur mon aspirateur, on va commencer par la partie turbine, et sur la partie supérieure, ici je vais vous montrer, on va enlever le scotch de protection, et bien on a un certain nombre d'orifices qui se sont réalisés avec le temps, et donc il y en a que j'ai essayé de nettoyer un petit peu, mais on voit qu'en fait c'est simplement dû à des projections d'éléments qui sont rentrés à l'intérieur, et qui ont fait des trous. Donc là, en fait, c'est la peinture qui a sauté à cause des projections, et puis il y a carrément des endroits où j'ai des vis qui sont ressortis par la projection. Donc ensuite, si je remonte, donc ici, j'ai commencé à le démonter un petit peu, mais donc là, on voit que j'ai bloqué avec du scotch. On va démonter tout à l'heure cette pièce, et je vais vous montrer à quel point elle a morflé. Et donc là, ce qui est gênant, c'est qu'on est sur toute la partie qui est en surpression, et on a ici, par exemple, des orifices. Si on cherche un petit peu, on en a d'autres ici. Là. Je vais essayer de vous montrer. En fait, tout ça, c'est dû à des petits corps durs, finalement, qui ont tapé à l'intérieur de la zone. Si je continue sur le côté, donc on voit que tout ça, c'est plutôt étanche. Je n'ai pas de remontée de poussière, donc ça, c'est plutôt positif. Et là, sur la partie basse, on voit que le joint, il est un tout petit peu limite. Et si on regarde de détail, là, eh bien, on voit qu'on a de la poussière qui s'est échappée. Et ça, c'est assez négatif, parce que ça veut dire qu'on n'est pas étanche, et donc que la poussière ressort. Donc là, c'est encore un peu plus significatif, ça se voit. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étancher un maximum la chose. Donc on va remplacer ce flexible. On va essayer de boucher les trous de cette affaire. Et on va essayer aussi de boucher l'orifice ici, là, le gros, puis un petit peu tous les petits. On va voir ce qu'on arrive à faire. Allez, c'est parti.
finir de démonter l'affaire. Et on s'attaque à la première pièce là, qui est cette pièce noire qui permet de transformer la section ronde en une section carrée. On va essayer de nettoyer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réparé avec du scotch. Hein. Bon, perfectible. L'étendue des dégâts, aujourd'hui on va essayer de faire une réparation un peu plus sérieuse. Donc ce qui s'est passé, je disais, à chaque fois qu'on a un élément qui est dur, eh bien, c'est projeté à une vitesse qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, ça fait de la musique pas très agréable. Et ça peut casser des gros morceaux de zone. Quoi. Donc là, tout ça, ça avait été cassé, donc c'est pas parti d'un coup. Mais en tout cas, c'est des éléments qui étaient plus étanches. Quoi. Donc là, on va essayer de nettoyer l'ensemble. Et ensuite, on va essayer de colmater de manière durable cette affaire. Ça tient bien le scotch, hein. Bon, voilà où on en est. Donc là, on avait beaucoup de zones qui étaient cassées. J'avais oublié à quel point ça avait rompu, cette affaire-là. Idéalement, bon, faudrait réussir à en recommander une. On n'est pas sur un produit qui est ultra disponible, donc c'est pas évident de retrouver des pièces. Donc là, on va essayer de bien nettoyer l'ensemble. Et j'ai acheté de la pâte à colmater. On va essayer de voir si on n'arrive pas à refaire la pièce, au moins partiellement, pour avoir quelque chose de le plus étanche possible ici. Et promis, j'arrête d'aspirer ce que je trouve par terre, ou alors je filtre avant, pour arrêter de tout éclater. Allez, on nettoie ça et on essaye. Donc là, on va essayer de boucher les différents trous avec une pâte qui apparemment colle à tout. Bon, faut tester. Je ne sais pas comment ça marche exactement. On va tester ça. Ok, c'est une bicomposante. On va essayer ça. Ça fait le même bruit qu'une bouteille de vin, c'est rassurant. Allez, donc on mélange le tout. Et après, c'est censé devenir dur comme du roc. J'espère que ça va me permettre de réparer mes affaires. Apparemment, c'est sans solvant bio. On a la pâte bio. Non, en fait, c'est pas bio. C'est de faire un espèce de boudin, là. Et c'est parti. On va rentrer ça dans le trou par l'intérieur, histoire d'avoir le plus de masse possible à l'intérieur pour boucher. Et de l'autre côté, on va étaler tout ça pour faire une espèce de patchwork là. Et du coup, en espérant que ça tienne vraiment, on va bien bloquer l'affaire. Ok, bon, on va continuer comme ça. Et on va essayer de faire un gros patchwork là pour la grosse zone. Prochaine étape, on va faire la même pour celle-ci. Donc là, théoriquement, au niveau de la turbine, on devrait être à peu près étanche. Maintenant, on va s'attaquer au tuyau. On va remplacer le flexible qui est ici présent par un tuyau PVC rigide. Attention ! Bon, le machin blanc, ça commence à pas mal durcir, donc ça c'est pas mal, même sur les grosses zones. Par contre, j'ai encore des petites fissures, donc je vais me siliconer l'ensemble, je vais en mettre un petit peu partout, je vais essayer de lisser, histoire que j'ai vraiment aucune fuite sur le cône. Il faut prendre un silicone pas bouché. Bon, ça fera parfaitement le job, on va étaler ça comme ça. C'est réutilisable, qui disait. Allez, boudin, boudin. Boudin, boudin. Une œuvre d'art.
Moi, je vous le dis, une œuvre d'art. Ok, splendide. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de trou. De toute façon, j'ai jamais été bon en silicone. Ok, la même ici. Voilà, bien étalé partout. Bon, ça aurait pu être plus beau, mais ça marchera. Et là, par contre, point important, on va bien nettoyer la portée, histoire de pouvoir après appliquer le joint dur tranquillement. Ça, c'est ce qui vient de tomber quand j'ai tourné. Donc c'est vachement important de le faire. C'est les poussières les plus fines, celles qui bougent le plus. Dire que là l'étanchéité ça le fera pas, ça le fera pas. On va finir de fixer ça et puis on va reprendre la partie basse là parce que c'est carnage. Gagné. Donc là je suis en phase de remontage et au niveau là du silicone que je m'étais mis en me disant bon ben ça fera l'étanchéité, c'est pas évident parce que ça bouge beaucoup et en fait plastique silicone c'est une patinoire et comme je suis pas vraiment sûr de quelle matière a été utilisée pour faire la partie noire, j'osais pas trop mettre de la colle PVC, mais je pense que je vais essayer ça. Donc là je vais bien tout nettoyer, un petit coup d'alcool et ensuite je vais mettre de la colle PVC et puis on va clipser le tout. Là on n'a pas besoin, et on va voir ce que ça donne. Nettoyage. On va trouver une solution, on va trouver. Wouhou. La colle PVC normalement c'est efficace. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. Bon, on va remettre des serre-joints. On va laisser sécher le tout, puis on verra ce que ça donne. En tout cas, ça n'a pas l'air de tenir sur le machin noir. Là. Ça s'épluche sur le machin noir. Bon. Ok. On va tout essuyer. On va chercher une autre solution. Ouais, non. Ça arrache la peinture de la partie noire. Et ça ne colle pas. Donc, on va nettoyer bien.
On va chercher une colle qui pourrait prendre là-dessus. Prochaine étape, Sikaflex, on va voir si ça tient. Un bon boudin. Et beaucoup d'espoir. Allez. Donc là, on prend, on enfourne. Et on ne touche plus. Voilà. On ne touche plus. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Voilà, on va laisser reposer. Quand ce sera bien sec demain, on fera des tests. Bon, on va y arriver. Là, ça a l'air de bien tenir. Donc au niveau du Sikaflex, c'est gagnant. Donc plastique, plastique, Sikaflex, ça va. Donc là, colle PVC, il n'y aura pas de souci. Ici, silicone, métal, ça a l'air de bien tenir. Donc l'ensemble est bon, on remonte le tout et on va faire quelques tests, on va essayer de bien analyser, voir si on a des fuites ou pas. On y va. Ok. Donc pendant que la bête ralentit tranquillement, donc au niveau étanchéité, on est 1000 fois mieux. J'ai pas de fuite de poussière qui vont à droite, à gauche, donc ça c'est ultra positif. Il y a, c'est dur d'identifier exactement quand il n'y a que de l'air qui passe, simplement parce que là il y a aussi le moteur quand il ventile, bah, ça fait passer de l'air un petit peu partout. Mais en tout cas au niveau des traits possibles de poussière, là il n'y en a pas. Et donc ça c'est vraiment cool. Ce qui veut dire que quand il est bien entretenu, cet aspirateur, il fonctionne correctement et il n'y a pas de rejet de poussière en plus. Mais ça veut dire qu'il faut être gentil avec lui, il ne faut pas lui aspirer des vis et il faut absolument s'assurer que toute cette zone-là, ici, soit parfaitement étanche, sinon c'est catastrophe. Et ça met de la poussière partout. Donc là, il est reparti, on va dire que c'était la révision des 100 000 et il a l'air de nouveau fonctionnel. On va se faire quelques coupes, ça va nous permettre aussi de reprendre un petit peu confiance dans la bête, parce que jusqu'à présent, quand je le faisais marcher systématiquement après, eh bien, je laissais l'atelier, on va dire, bien ventilé, je gardais le masque pendant toute la période de découpe, donc c'était vraiment pénalisant. Donc là, je pense qu'on va partir sur des bonnes bases et on va pouvoir continuer. Donc on refait quelques coupes, on se fait plaisir, et puis on va voir ça. Ben voilà, ça rentre. Donc ça, c'est les portes que j'ai faites la semaine dernière avec des assemblages profil contre profil. Si tu ne les as pas encore vues, tu peux aller jeter un œil à la vidéo juste ici en haut à droite. Et quand j'ai fait les portes, j'avais complètement oublié que, eh bien, sur les côtés ici, il faut laisser un petit peu de marge puisque la porte mord un petit peu sur la zone. Et ça fait que ici, mon rangement de toupies ne rentrait pas. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait nos petites découpes, l'ensemble rentre correctement et c'est bon, je vais pouvoir tout ranger proprement. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'aspirateur. Ça fait partie des éléments de sécurité importants pour votre système respiratoire et pour vos yeux dans l'atelier, donc ce n'est pas un élément à négliger. Et comme vous l'avez constaté, avec l'âge, eh bien, il perd un petit peu d'étanchéité, donc c'est important de prendre le temps de conserver cette étanchéité parce que c'est vraiment un gage de performance parce qu'on va éviter les pertes et ça évite aussi le rejet de poussière dans votre atelier, donc c'est ultra important. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites des projets, faites des choses de vos mains, amusez-vous bien et puis à très vite. Ciao, ciao !